Bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Faveur, j'espère que vous allez bien. Nous continuons encore cette aventure de l'enfer du MMR sur Dota 2, donc je mute tout le monde, hein. Je suis désolé, mais il y a des gens qui utilisent le voice chat, et des fois ils disent des choses pas très chrétiennes, hein, je dirais même pour ainsi dire tout le temps. Donc voilà, quand je joue en normal, bon voilà, mais quand ça parle en russe et que d'un seul coup ça se met à parler en anglais, tu peux être sûr et certain que c'est des insultes. Alors, pour aujourd'hui, nous allons jouer Centaure sur la offlane. Mirana, tu tentes une flèche ou pas? Hop, une bounty volée. Il va tenter une ligne. Il a foiré la ligne. Ok, on n'aura pas notre kill. Tabassons Ursa. Ok, je vais peut-être mourir. Parce que il a déjà bien stacké les dégâts. Oh là là. Oh, ça c'est une mort. Non, c'est bon. C'est bon. Ok, donc on va jouer Centaure Runner, War Runner, qui est un, vous l'aurez deviné, un force. Et c'est un gros centaure. Il peut stun avec son A, comme vous avez pu le constater il y a quelques instants. Alors il y a un petit temps d'animation, donc c'est le point négatif de Centaure. C'est un melee comme la plupart des persos force. Alors je joue très calmement sur la lane parce que j'ai très peu de points de vie. Ah. Oh, ça annonce pas que du bon. Bon, je l'ai un peu méga punish pour avoir pris un Lost Hit. Donc ça, c'est pas... Oh mais dis donc, il a plus de régène. Non, Lost Hit, oui, je l'ai eu. Ok, donc le Z de Centaure, c'est double tranchant. Comme son nom l'indique, bah, quand vous le faites, vous subissez autant de dégâts que vous infligez à l'adversaire, ça fait des dégâts en zone et son E est un passif par contre qui inflige des dégâts à toutes les personnes qui l'auto-attaquent. Voilà, comme ça. Par exemple, Lion il a pris des dégâts, pouf. Il n'y a rien besoin de faire. Ça inflige des dégâts, c'est une auto-attaque, ça prend des dégâts. Non, le Lost Hit ! Et c'est multiplié par la valeur de force de Centaure, donc ça se scale. C'est un très 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 bon passif. Contrairement à beaucoup de passifs qui ont des valeurs fixes, celui-là, tu as une valeur fixe plus multiplicative. Donc au début, voilà, c'est 20, 26, 32, 38% de force. C'est génial. Hein, ça permet de farmer comme un sombre attardé. Ursa n'a plus de heal, donc là, ça y est, il est officiellement out of the game. Non, Lost Hit, merde. Merde, oh là là, je formais le style. Ça c'est parce que je commente. Du coup, j'ai un petit peu plus de mal à... Non. Il n'a pas tenté le kill. Et Mirana tente de me contester sur mes last hits, des fois je piche pas. Alors, Lion peut stun, c'est plutôt très embêtant. Alors, Mirana farm le jungle avec sa flèche. Très bien. Ok, ça c'était foiré. C'était complètement naze. Lion qui draine ma mana, ça c'est génial par contre. Ça aide bien pour... Non ! Oh là là, du coup elle a pull les creeps puis qu'elle a tapé Lion. Ok, on va aller prendre un Ring of Elf. Et on va tout de suite faire un Vanguard parce que Centaure... C'est un putain de tank. Il doit pouvoir régénérer très vite. Parce que... Voilà. Double tranchant, ça inflige des dégâts aussi à Centaure. Donc me faire jouer contre Lion, je sais pas si c'est un si gros counter que ça en vrai. Parce que t'as besoin de points de vie, bon la mana, voilà, c'est chiant. Ça va probablement me bloquer beaucoup d'occasions de kill avec le stun. Mais en vrai... Voilà, j'ai un sort qui me prend pas de mana et un passif qui me prend pas de mana. Donc j'ai du pire.
Mirana est très agressive. Hein. On verra si c'est un bon ou un mauvais point. Pour le moment, c'est moyen. Ok, deux Lostites ont été foirés. Génial. Des deux côtés, ça c'est une bonne game comme on aime avoir. Je vais farmer avec mon Z hein, s'il faut. Hein. Je vais farmer avec mon gros Z là. La vitesse d'attaque est pas géniale avec, avec Centaur. C'est un perso qui est là pour. C'est un perso qui est là pour taper fort. Taper fort, pas vite, juste tu fonces dans le tas, tu stun, t'as rempli ton rôle en tant que Centaur. Stun méga tôt. Je suis augmenté plutôt double edge. Parce que là, la mana, tu mets un point dans le stun pour dire voilà, je peux stun si j'ai la mana. Mais alors là, contre Lion, oublie quoi. C'est, il a compris. Oh! Oh, ça c'est le mort. Oh, ou pas. Merci la non-régène. Qui me donne une régène de salope. Oh, ça va, ça passe, tranquille. Je m'attendais vraiment à crever. Hein. Ils étaient trois, full vie, donc ils auraient pu se jeter à fond sur moi. Et... il y en a un qui a... Je sais pas. Ils étaient vraiment pas chauds du tout. Oh, mais c'est fini, oui. Il y a encore beaucoup de mana. Oui, oui, il est full mana, Witch Doctor, très bien. Il est full mana, et en plus, il est... Mirana qui me conteste mais le style par contre là ça devient vraiment casse-couille quoi. Parce que j'essaie de farmer et genre elle me laisse pas quoi. J'ai pas mes bots. Oh non. Oh non. Aïe 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 aïe. Ça c'est problématique. Ça, ça va être mort. J'ai beaucoup trop grid. Voilà, j'ai plus de mana pour mon stun. Et c'est une mort. Ok. J'ai pas compris, on était 3 et Crystal apparemment est morte contre... contre Ursa. Bon. Eh bien, fait chier. Fait très très chier. Très très chic. Je me suis dit c'est bon et... mais en même temps Lion Witch Doctor putain 3 CC déjà rien qu'à eux. Il a les tranquille boots, il a les tranquille boots, ça sert à strictement à rien de d'Arras Lion, faut le tuer. Je vais prendre mon Vanguard. Et après ce sera les bots. Ok, Crystal a décidé que c'était le moment de venir. Un stun, un root, quelque chose là. Bien. Très très bien. Alors Crystal ne meurt pas maintenant. Ils ont eu Ursa, tout à fait. Moi j'étais concentré sur Leon, je fais non mais lui faut qu'il paye. Alors, on fait un joli petit tas et pouf on double edge. Voilà. Ça peut free push la tour. Est-ce que c'est pas génial comme principe? Bon, Leon va me cesser, donc c'est la mauvaise nouvelle. Putain, et puis alors mes bots qui sont sur le courrier qui est en train d'arriver. Ouh, ça va, ils ont lâché le morceau. On va ramasser la rune dans 5 secondes. Ça tombe bien. Murana qui farme la jungle ennemie dans le plus grand des cannes. Alors qu'il y a une lane. Très, très bien. Allez, donne-moi mes bonnes bots.
Des belles bottes, des belles bottes, des belles bottes, des belles bottes. J'ai très peur. Myrna, ouais, voilà, passe pas par le jungle. Attention. Maintenant, il est niveau 6. Alors, Léon est toujours 4, donc pas de danger qu'il nous fasse un doigt de la mort. Alors, l'ulti de Centaure, pour ceux qui ne connaissent pas, on le fait, ça affecte tous nos alliés, y compris nous. Et on est speedé à un truc de ouf, c'est une énorme buff de vitesse. Et si ma mémoire est bonne, ça inflige un multiplicateur de dégâts de notre force. C'est ça, voilà, vicieux charge, on va super vite. Ça dure 3,5. On ralentit tous les gens qu'on piétine en leur marchant dessus. Chaque ennemi peut être piétiné une seule fois. Le slow dure 3 putains de secondes, par contre, ça c'est... Alors là, attention, je trouve que tu t'avances un peu trop, Myrna. Hein. Ok. Vraiment, Lion, c'est le point faible, parce que alors, Ursa sous ulti, moi je peux pas le tuer. S'il a du lifesteal, il a du lifesteal. Je peux pas le tuer, il me faut de la mana, et encore, on a une fenêtre ridicule. Ah, il y a un Mipo qui arrive, là c'est le moment de se casser. Sinon il va pouf. On a fini. Ok. On s'est rattrapé sur notre merdouille de tout à l'heure. Hein. Mipo full push. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle hein? Vite le découvrir. Lion toujours pas niveau 6. Oh, ça sent la mort. Ok, Myrna est out. Je pense rien pouvoir faire là. J'ai pas la mana. Je peux rien faire, ouais. Putain. Ah, ils m'ont lâché. Il devait plus avoir de stun. Dieu merci. Dieu merci. Ah, votre spirit arrivé en plus. C'est gentil tout plein, ça. Ok. Il me conseille de rebooster le... Ritaliette encore. Bon, bah écoute, on va suivre le guide. Moi, j'aime bien booster la double edge parce que ça... Voilà, ça pulse un niveau dégâts. Faut que ça envoie. Ok, on a nos fist boots. Alors, Lion est niveau 6. C'est bien, il a raté son stun. On va manger le courrier. Hop! Ça fait 50 d'or pour tout le monde, c'est sympa. Ça mange pas de pain. Ok, Witch arrive. C'est bien. Ouais, oh, attends, il était là. Hein. Je me disais aussi, je suis... Attends, il me semble l'avoir entrevu l'espace d'une microseconde. Myrna, tu peux arrêter de pirater mes lastites, s'il te plaît. J'ai besoin de cet or. Il me faut la blink après. Ok, ça c'est une bonne tour. Bien push. Alors, Centaure, c'est vachement bien parce que tu peux cut les creeps comme si t'étais Axe. Voilà. Ça, j'apprécie beaucoup les fruits au sirop. Donc, c'est sympa. Juste, tu te mets derrière, tu fais bonjour, je voudrais prendre tous les creeps que vous avez. Et ça passe. Très bien pour farmer aussi la jungle double edge. C'est rapide. Ça coûte cher en points de vie, mais c'est rapide. Ça, c'est incontestable. Je fais pas trop attention aux autres lanes. On verra si ça me coûte la game ou pas. J'ai remarqué que plus j'ai tendance à m'occuper des autres lanes quand je joue un rôle important, plus ça merde. Alors que quand je joue support et que j'ai tendance à m'intéresser aux autres lanes,
et ben plus ça augmente ma réussite. Donc attention, c'est pas toujours vrai l'un comme l'autre. Attention. Ah, c'est génial, il se suicide sur toi. Ah donc, le must, hein, c'est faire que des items à force. Alors les deux seuls items qui échappent à cette règle pour Centaure, c'est la Blink, parce que tu peux te téléporter sur quelqu'un. Le stun, et en général, c'est un kill gratuit pour le groupe. Puis surtout, t'es terriblement solide avec Centaure, donc en fait, tu t'en fous d'aller dans la mêlée. En plus, tu peux t'en aller avec ton ulti si tu gères un peu ton truc. Super, on m'a laissé le neutre qui donne à la mana. Alors apparemment, ça rush. Ils ont piqué Roshan. C'est une très bonne équipe, dis donc. Essayer de sauver Myrana avec notre ulti. Et éventuellement offrir un kill à Void Spirit et Crystal. Voilà. Et le deuxième item qui échappe à cette règle, c'est les Face Boots. Parce que les Face Boots, alors, ne donnent pas de force, mais donnent des dégâts, de l'armure, mais du movement speed. Hein. Allez, bourre-le, bourre-le, bourre-le. Ok, il voulait pas le bourrer. Ok, je suis mort. Ok, je suis pas mort. Ok, on a fait un kill. Ah, oh, c'est bien la malédicte qui va... Ah, elle va peut-être pas le finir. Oh, bien. Bien, bien, bien. Il peut enlever les dommages de malédicte l'espace d'un tick en faisant cette technique. C'est pas mal. Eh ben, on a l'air d'avoir des gens qui savent un peu près ce qu'ils font. Ça fait plaisir. Bon, je dis ça à Crystal, vient de se suicider sur Mipo apparemment. Ah ouais, Mipo est niveau 13. Il est niveau 13, Mipo. Ah, c'était peut-être le mid, Mipo. Donc, ok, on a notre Blink Dagger. Prochain item, en vrai, je conseille de faire la Ganim Shard pour booster le Double Edge. Perso, je vais partir sur un Art of Tarrasque. C'est un item qui coûte très cher, mais la régénération de points de vie en pourcentage avec un perso qui se base uniquement sur la force. Ok, c'était une élue. Et je me disais, je suis un peu masse de dégâts comme un imbécile. J'ai pris le farm de Weaver, alors je vais m'excuser en faisant un double edge. Parce que c'était absolument pas fait exprès. C'est encore une élue, j'imagine. Oui, voilà. C'était la deuxième. Parfait, parfait. Attends, on va attendre les squelettes. Ouais. Maintenant, ça fait de l'or. Oh! Ça pourrait plaire éventuellement à Weaver. Ok, super. Niveau ward, ça va. Ça... Un peu, mais pas de. Je vais quand même accompagner Crystal. En général, il vaut mieux mettre la sentry d'abord, hein. Crystal, c'est pas pour te donner des astuces de support, parce que si tu poses la sentry en deuxième et que tu te rends compte qu'ils ont déjà ward, t'es sûr de te la faire péter. Merde, j'ai fortify trop tard, je voulais tenter de deny la tour et de faire un truc drôle. T'es chier. Alors le problème des Mipo, c'est que soit ils sont nuls à chier, soit c'est des oufs. Y'a rien entre les deux. Et en général... Non... Les dégâts que je colle avec mon passif, quoi. Et je crois qu'on a affaire au Mipo qui fait partie de la deuxième catégorie. Ce qui est plutôt fâcheux, parce qu'en général, quand ils sont ouf, ils niquent ta game. Tu peux rien faire. Et c'est confirmé. Il fait partie de la deuxième catégorie. Putain, fait chier, merde. C'est moi, j'ai pas fait une game. Enfin, un early spectaculaire. Et... Mais putain, Mipo feed, c'est... Ça fait peur.
Ça fait très très peur. Est-ce qu'on économise ou on achète un Vitality Booster maintenant? On va économiser. On va économiser parce que je vois qu'il y a un peu d'espace qui s'écrit au bot. Alors, il faut un deny sinon les creeps vont trop s'avancer. Merde. Il m'a fait peur l'autre con avec son vanish. Mon dieu. Meepo, farm la gueule de mes amis. Reculer. Ça se fight vénère. Je vais être honnête, j'ai pas envie de participer parce qu'ils se font hacher la gueule. Et j'ai besoin de mon river pour être vraiment efficace. Je pense que c'est le genre de game qui va être pourri par le Meepo. Très clairement. Je sais pas ce qu'ils font, ils sont toujours au même endroit, on a la vision sur eux et ils continuent de se jeter sur eux. Putain, Meepo il est 17 quoi. Oh chier. Putain, en plus j'ai. Merde, je farm quoi. Sauce avant que. Ah non, Meepo est au bot. Il a tué quelqu'un, apparemment. Il a tué Myrana. Encore? Oh là là. On revient en fait à se faire farm la gueule. Hein. Ouais, c'est ça, il se fait farm le visage. Ok, Meepo fait me ramasser dans le plus grand des calmes. Non, non, là, c'est mort, tu m'auras pas. C'est là, putain, Meepo. Meepo, en fait, c'est plusieurs clones de lui-même. Si t'en tues un, c'est bon, en fait, tu le tues. Mais le problème, c'est que Meepo, il a que des sorts qui touchent en AOE. Ce qui fait que plus il y a de Meepo, plus il peut taper en AOE comme un sourd. Donc ça tape vénère. Ça tape vénère, et c'est pour ça que s'il est feed, c'est une catastrophe. Il y a quelqu'un qui a pris un niveau là sur la gauche. J'ai vu le symbole de niveau là. Il y a quelqu'un qui m'attendait. C'était pas Meepo. Hein. Il me semble pas. Et donc Meepo peut se téléporter sur Meepo, les uns les autres. Putain, sérieux les gars quoi. Faites un effort, arrêtez de soloter quoi. Et du coup, bah, la technique, c'est tu blink, t'envoies un filet, tu... Merde! Quand c'est le bon moment. Tu filet, tu fais pouf sur Meepo, qui a blinké. Parce que le pouf, c'est le nom du TP qui fait des dégâts en partant et en arrivant. Et c'est vénère. Voilà, c'est vénère. Et putain, il est niveau 20, quoi. Voilà, et du coup, maintenant, il y a 4 Meepo, parce que bah, son ulti, c'est il gagne des nombres de Meepo. Et là, on arrive à un stade où je vois pas trop quoi faire contre Meepo. Hein. On va se jeter à tous dessus. On va probablement le tuer, mais on va perdre une équipe entière. Hein. Ça fait souvent ça, hein, quand les games est bien avancé. Alors 25 de force, paf, ça fait du bien pour Fire. Ça fait même beaucoup de bien. Ah, Myrana qui a déco. Myrana qui a déco. C'est un gros problème. C'est un très très gros problème. Parce que si elle ne revient pas... Ouille. J'ai envie de dire un bon gros ouille. On remet une pause.
Alors la pause maximale, enfin maximale, n'existe pas. Par contre, la minimale, c'est 30 secondes. C'est-à-dire que si quelqu'un de l'équipe en face met pause alors qu'il a un déco, vous pouvez enlever la pause qu'à partir de 30 secondes. Alors du coup, globalement, on donne 2 minutes si les autres en face sont des enfoirés. Et comme on est un MMR de merde, tu peux t'assurer qu'au bout de 2 minutes, tu n'as plus de pause. Alors que si personne n'est déco, qu'il y a une pause qui est mise, eh bien, elle peut se refaire retirer instantanément par l'équipe adverse. On estime qu'il n'y a pas de raison. Et donc, bah, on va prier pour que Miranda revienne, parce que elle a pas un score de ouf. Vu tout ce qu'elle est morte sur Meepo, elle a 1-5. Voilà, et avoir un déco, ça me ferait vraiment, vraiment chier. Parce que, à jouer, hein. Bon, voilà, elle est morte 5 fois. Voilà quoi. Mourir 5 fois, c'est. J'ai fait des games, je suis mort bien plus que ça. Après, on est à 24 minutes de jeu. Elle a bien joué, hein. Elle a fait genre. Elle a fait Roshan avec les. What? C'est pas assez. Hop, vas-y, tant pis, je claque un ult. Bah, les couilles. Alors, il y a quelqu'un qui troll parce que quand quelqu'un déco dans Dota, tu peux contrôler son personnage. Et là, il lui a fait sembler son personnage dans la mid lane et même utiliser un TP. Ok, ils ont eu ça. J'ai pas compris ce qu'il foutait là. Meepo, il est 21, quoi. Il est niveau 21. Il a 13 de... Oh là là. Ah, ça me tue, parce que... On n'a pas fait une game... Enfin, une lane spectaculaire, mais je veux dire, on a bouffé leur tour avant, je suis sorti avec un score positif, j'ai pu farmer, j'ai fait plus dégueulasse qu'en early. Hein. Mais là, je pense que c'est foutu, hein. Meepo, il est niveau 21. Et genre Crystal est niveau 11. Roshan est déjà mort 2 fois en 25 minutes. D'accord. Parce que c'est pas une game commune. Tu sens qu'il y a un Meepo qui main Meepo. Hein. Ok, c'est très fâcheux. Je pense que nos capacités de win ont été réduites à néant. Pour pas dire qu'on va se faire enculax. Ouais. Globalement. Ah, je suis dégoûté, quoi. Non, mais il est imbutable. Hein. Il est imbutable. Et on se fait tous prendre en solo. Au mid, là, c'était totalement ma faute. Hein. Bon, c'était ma première mort conclue. Je pensais pouvoir m'enfuir comme j'ai fait tout à l'heure. Le problème, c'est que... sans ulti, j'ai l'impression que je peux pas m'enfuir, en fait, contre lui. Alors, l'Art of Tarrasque, je suis pas prêt de le chier. Eh, vous savez quoi, genre. Vas-y, go. Go, 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 go. Ah, oui, c'est bien ça. Cassez-le, 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 cassez-le. Non, il a blinké, t'es sérieux? Oh non, le slow! Oh, je peux rien faire. Non, mais Meepo qui campe la fontaine, quoi. Super, j'ai pas eu l'expérience en plus. Putain, non, je l'ai eu! Oui, vas-y, c'est bien. Claque tes stuns sur moi. Oh mon dieu, il l'a bouffé en 2 hits. Il a 2 shots. Vas-y. On va essayer de pas se faire stun. Il est où ce con? Alors, viens, on va essayer de pas se faire stun par le.
le A de... Le A de Witch Doctor. 5 secondes. Hein. Ok, on va éviter. J'ai plus de mana. J'y crois pas. Qu'est-ce qui m'a bouffé de la mana? Ah, Ursine Diffusol? The fuck? Oh non, 50 points de vie. Ah oui, oui c'est bien ça. Ok, on a fait des bons trades. Alors qu'il nous manque un joueur. Et apparemment, Myrana s'est reconnectée. Parce qu'elle n'a plus le symbole de déconnecter, mais... Mais elle est toujours pas in-game. Donc ça veut dire que le gars a relancé son jeu et en chargement. Donc, il n'a pas rush kit. Il a eu une déco internet. Ou son chat a arraché un câble. Voilà. les trucs classiques qui arrivent souvent. Et ok, bon bah top. Tout espoir n'est pas perdu. J'espère un retournement de situation juste pour... Ah, Myrana s'est reconnectée. Juste pour le peps, pour le tchal, là. Parce qu'on a bientôt notre Art of Tarrasque. Par bientôt, je veux dire, Sandor, c'est rien du tout. Donc on va juste aller bouffer quelques creeps. Finir ce très très gros item qui est, pour ainsi dire, clé pour Centaure. Tac, plus de régène. Je préfère Movement Speed, perso. Tac. Hop, Art of Tarrasque, viens à moi. Parce que là, j'ai vraiment besoin de toi. Il me faut des points de vie contre l'autre Meepo. Genre, ça urge. Là. Ouais, il doit être dans le coin. Hein. J'ai dû le toucher avec mon stun. Voilà. Ok, le stun fait mal. Ah, j'ai pris une malédicte. Oui, oui, 1 contre 5. L'avantage, c'est qu'avec Dota, j'apprends à parler le russe. Non, je déconne, j'ai juste vu les chiffres. Ouais. Ah ah. Manche. Meurs pour toute cette mana que tu m'as pompée en early game. J'arrive. 3 secondes. 2 secondes le stun. Oui, bien. Oh, c'est bien ça. On a fait un échange de bâtards là. On a perdu Myrana contre tous ces oufs là. Mais je fais le trade mais 10 fois par jour si c'est cette valeur là. Allez, on fait un joli petit tas. C'est magnifique. Ça c'est bien, ça fait plein d'or. Faux push là, faux push. Ok, on va améliorer notre Blink Dagger avec la version force avec un river. Oh, c'est un bleu ça. Vas-y, viens le blaze là, vas-y. Oh le bâtard. What, mais il a blinké où? Mais il a blinké super loin. Lol. Il se fait bouffer en 4 touches même pas. Mais il a blinké super loin. Et il a dû blinker en bas à droite et moi je suis parti sur la droite. Je pensais vraiment qu'il allait faire un chemin étrange. Tant pis, j'ai perdu mon neutre. Merde, fais chier. J'ai laissé le neutre. Merde. J'ai eu peur, j'ai même pas vu qui c'était. J'ai juste vu une flèche, j'ai fait non, au secours. Je veux pas mourir comme un imbécile. Genre comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Non, recule. Recule, s'il te plaît. Ah, ça c'est moi qui déconne. Merci mon outil. Mon dieu, le stun. Le slow est ultra vénère. Non, ça va retourner là. Tac, plus de force. Comme ça mon passif il va taper un truc de dingue.
Alors mes alliés vont entamer un teamfight sans moi. Je ne sais pas si... si c'est de bonne augure pour nous ça. J'ai très peu de mana. Voilà. Non mais reculez, reculez, sérieux. Je serais venu avec grand plaisir mais... Je suis pas mauvais des fleurs. Mais Mipo sans moi... là ils vont prendre Norax. Ouais, et puis alors Myrana... Myrana est morte. Je veux même pas regarder. Et on se retrouve à 2 contre 5. Ce qui est plutôt problématique parce que là en gros ils prennent... ils prennent des racks. Bon, bah voilà. Je les call, hein. J'avais dit, je suis alors là, Mipo qui est fed. Ouais. Même avec la protection backdoor. Laisse tomber, je peux rien faire. Je peux rien faire. Même avec la protection backdoor, ils arrivent quand même à les casser. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre la team. Que ça respawn. J'ai déconné, j'ai offert un kill gratuit. Hein. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Oh putain. Récolter des gens. Genre SVP, récolter des gens. S'il récolte personne, c'est vraiment Malberg. Ouais, non mais Mip, putain mais il est 26 quoi. Ah, patente, ça engage et pouf, on a un mort. Ah bah, instant buyback. Et je suis toujours pas là. Et voilà, ah je suis saoulé. Mais c'est Mipo qui fait la gamme hein. Ah putain, il m'a ex. Oui, là j'ai eu du monde là. Ah, là tout de suite quand on stun Mipo. Au secours. Au secours, je suis archi keblo, je suis bloqué, je ne peux rien faire. Il est revenu? Non, sérieux. Il a buyback. Je suis mort. Je suis dégoûté. Bon bah voilà. Je les call, hein. J'ai dit, je fais, non mais les Mipo, laisse tomber quoi. Mipo feed. Qui a été fed, pardon. Bon bah fait chier, hein, parce que j'aime vraiment beaucoup Centaur, et franchement, là ça va faire tâche dans les stats. Hein. Non, je déconne. En vrai j'ai un win rate qui est pas dégueu dans ce MMA. Je précise bien dans ce MMA. Bon, c'est pas grave, le but c'est de vous montrer Centaur ce qu'il est capable de faire. Et franchement, j'ai fait des bons trucs quand. Toutes les fois où Mipo est mort, j'étais là. Hein. Parce que bon, un mec qui peut stun en zone, taper en zone contre un perso dont le principe c'est d'avoir plusieurs personnages, c'est plutôt pas mal. Bon, bah les amis, j'espère que cette vidéo découverte pour Centaur Warrunner vous aura quand même plu, malgré la défaite. Moi j'aime beaucoup Centaur, il fait partie de ces personnages assez relax en vrai. C'est comme Sniper, mais version force melee, il est vraiment relax à jouer. C'est coup de passif, tu stun, c'est vraiment simple, c'est comme Axe. Voilà, Axe, je trouve ça très relax à jouer. T'as une escape en plus, c'est un perso qui est intéressant à jouer avec une blink. Vraiment très très sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la chaîne de FR, je vous dis naturellement, ciao à la prochaine.